camarades et chers grévistes, après la décision du gouvernement d'imposer sa réforme des retraites injuste et brutale et désormais illégitime en utilisant à maintes reprises l'article 9 alinéa 3, nous pouvons crier haut et fort: Manu, 49-3 ou pas, ta retraite, on n'en veut pas. Manu, 49-3 ou pas, 64 ans, on n'en veut pas. Alors oui, le 49-3 est un article constitutionnel. Mais je vous le dis, le droit de grève est aussi un article constitutionnel. Ils ont abusé du 49-3, alors dorénavant, abusons du droit de grève. Le gouvernement a déclaré la guerre au monde du travail. Il réprime les grévistes par la force et par la violence. Je vous le dis tranquillement, il faut répondre à la hauteur des attaques. Soyons clairs, je ne vous demande pas d'aller tout brûler. Le seul pyromane que l'on connaît, c'est Macron. Macron est un pyromane. Mais ce qu'il y a de plus grave encore, il a aussi dans ses mains la lance à eau. Et il ne s'en sert pas. Il allume le feu avec sa réforme et il laisse tout brûler. Il pourrait tout éteindre en retirant simplement sa réforme. Mais il n'en est rien. Il préfère nous coller deux ans ferme à tous et ainsi créer un impôt sur la vie. Alors soyons rebelles. La première sinistre invite les syndicats à discuter de tout sauf des 64 ans. Et Faux va répondre à cette invitation avec comme seul mandat d'aller appeler au retrait de la réforme des retraites. Oui, notre détermination est pleine et entière pour faire reculer le gouvernement sur ce dossier des retraites. La revendication est simple, la revendication est claire, c'est le retrait de la réforme des retraites. Non à l'allongement de durée de cotisation, non au recul de l'âge de la retraite. 49-3 ou pas, on n'en veut pas. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner et on se battra pour la garder. À Force ouvrière, nous lutterons jusqu'au retrait de cette contre-réforme. C'est de notre responsabilité à tous. Je compte sur vous et sur votre mobilisation sans faille. Non aux 64 ans. Et oui, à la retraite à 60 ans, nous pouvons gagner et nous allons gagner. Alors mobilisons-nous. Je vous donne rendez-vous jeudi 6 avril 2023, place de la Libération à 14h, pour une nouvelle journée de grève et de mobilisation. En attendant, pour cette journée, nous pouvons nous rendre jusqu'à la place d'Arcy, et éventuellement reprendre la rue de la liberté. Faux va résister, Faux va revendiquer, Faux va reconquérir. Vive la liberté, vive l'indépendance, vive Force ouvrière. De la misère et des vieux dans la galère, nous ne lâcherons rien. Une retraite à 60 ans à taux plein, c'est possible. Augmenter les salaires, c'est possible. Améliorer les conditions de travail, c'est possible. Supprimer la précarité, c'est possible. Chaque année, des centaines de milliards sont accaparés par les grosses entreprises, les actionnaires, les plus riches d'entre nous. Ces milliards sont pris dans la poche des travailleurs et des travailleuses. Et il faut une société plus juste et plus solidaire. Nous voulons une société humaine tout en respectant l'environnement et la biodiversité. Les provocations du ministre de l'Intérieur, les manœuvres d'intimidation policière,
les manœuvres d'articulation policière et politique et judiciaire du gouvernement, nous ne stopperons pas. Nous sommes forts et unis. Notre mouvement est inédit et exemplaire. Toutes les générations sont présentes. La jeunesse est en lutte. L'intersyndicale appelle à une 11e journée de mobilisation interprofessionnelle le 6 avril. Nous devons être encore plus forts et plus nombreux à être en grève et manifestation. Cette manifestation doit être massive, ça doit être un raz-de-marée. Ensemble, salariés, femmes et hommes, jeunes, retraités, nous sommes plus forts dans la lutte et nous allons gagner. Vive la lutte, vive la CGT. Ensemble jusqu'au retrait de cette putain de réforme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et on ira tous ensemble. Le gouvernement est fébrile, fragilisé. Et donc on va avancer le clou jusqu'à la victoire. Qui ira en centre-ville pour le moment, voilà, mais qui sont dans la volonté de nous disperser ici, donc on ne peut pas.